des gens pensent que la Chine, dans 2040, dans 10, 15, 20 ans peut-être, sera les premiers pays du monde. Comme c'est un enregistrement qui, j'espère, restera dans l'histoire, ce qu'on est en train de faire, je dis aujourd'hui, c'est-à-dire le 13 octobre 2022, donc aujourd'hui, je dis que non. Je suis intimement convaincu que la Chine ne sera pas le premier pays du monde en 2040-2045. Parce que ce n'est pas possible. Parce que la réussite telle que connaît aujourd'hui la Chine, qui est déjà en train d'ailleurs de descendre, est terminée. Et donc la réalité, j'en suis convaincu. Alors peut-être que on verra. Je ne serai pas là pour avoir le résultat, puisque je serai sans doute plus de ce monde dans 25 ans. Mais je suis convaincu que la Chine ne sera pas le premier pays du monde, hein, parce qu'il est impossible qu'un pays ait une progression économique, sociale, culturelle, rayonnante, enfermé dans un carcan communiste. Ce n'est pas possible, parce qu'à un moment donné, la réalité rattrapera la Chine. Et la réalité, aujourd'hui où je parle, a déjà rattrapé la Chine.